Voilà, c'est parti pour cette épreuve principale, la Mauritius Derby Ladies Day Cup. À mon départ pour Mining Prospect. Vettel également très bien parti, qui est repris pour s'asseoir en deuxième position. C'est King Angelo et lui en troisième position. Tout juste à son intérieur, il y a Glitterstar, ensuite Bezugo, Liquid Motion en dernière position. Solar Captain, alors que les chevaux passent devant les tribunes pour la première fois. En tête de la course, Mining Prospect as expected, avec deux longueurs d'avance sur Vettel, qui a deux longueurs sur Seeking Angelo, retenu à plein bras par son jockey Johnny Gerudis. Bezugo, qui a pris un bon départ, se trouve à son extérieur à deux longueurs. Nous avons Glitterstar à son extérieur, Liquid Motion, vainqueur de la première manche, et en dernière position, Solar Captain et Jean-Le Barlotier. Alors qu'on se dirige vers le tombeau Malartic, bientôt plus que 1000 mètres à parcourir, Mining Prospect ouvre toujours la voie avec deux longueurs d'avance sur le favori Vettel, qui rejoint à l'extérieur par Seeking Angelo. Juste derrière, on retrouve Liquid Motion, Bezugo, Glitterstar et tout juste devant lui, Solar Captain. Bientôt plus que 600 mètres à parcourir dans quelques foulées, avec Mining Prospect accroché par Vettel. Seeking Angelo suit Vettel, alors que Liquid Motion s'est rapproché. Bezugo, Solar Captain, Glitterstar. Bientôt plus que 400 mètres à parcourir. Voilà que Vettel va durcir l'épreuve sur ses talons. Seeking Angelo, Liquid Motion encore bien dans le coup. Solar Captain s'est rapproché, tout comme Bezugo, alors que les chevaux vont aborder la courbe pour entrer en ligne droite finale avec Vettel, donc, qui est lancé maintenant par Derek David. Seeking Angelo et Liquid Motion vont tenter de s'amener, mais Vettel a toujours le meilleur, alors que Liquid Motion termine de plus en plus fort. Mais personne ne battra Vettel, qui repart de plus belle pour aller s'imposer.